Salut! Tes élèves m'ont parlé de ce que vous faisiez avec d'autres collègues. Ils ont l'air enthousiastes et j'aimerais bien y participer. Avec plaisir! Plus on est, mieux c'est pour les élèves et pour nous aussi. Mais vous vous êtes déjà rapproché de la CARDI pour bénéficier d'un accompagnement? La CARDI? Je t'avoue que j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est la cellule innovation et expérimentation du rectorat. Il y en a une dans chaque académie. Et concrètement, elle fait quoi? Elle identifie, elle valorise et elle facilite la mutualisation des pratiques qui font bouger l'école. Mais comment? La CARDI accompagne les équipes porteuses de projets innovants. Elle renforce les liens avec la recherche, organise des événements en lien avec la pédagogie et avec l'éducation. En effet, ça a l'air chouette! Mais es-tu certain que notre projet soit réellement innovant? Sincèrement, je ne me vois pas solliciter une équipe d'experts pour leur parler de notre petite initiative. En plus, ça se fait déjà sûrement ailleurs. C'est ce que pensent la plupart des collègues qui osent se lancer dans l'expérimentation de nouvelles pratiques. Innover, c'est simplement faire ce qu'on n'a jamais fait avant, dans un contexte précis, local. Pour nous, c'est innovant parce qu'on découvre cette façon de travailler. Bonjour, je suis désolée, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Je suis tout à fait d'accord, vous n'avez pas à rougir ni même à douter, votre projet est innovant et très prometteur. En tant que personnel de direction, j'ai déjà travaillé avec l'équipe de la CARDI. Ils pourraient nous aider à planifier notre action, à penser son évaluation. Je sais qu'ils mettent en lien des équipes de toute l'académie qui construisent autour de mêmes thématiques. En plus, les porteuses et porteurs bénéficient d'une indemnité au titre de la coordination. Et vous savez comment les contacter? Oui, il suffit de leur envoyer un mail ou de les appeler. Parfait, on s'en charge à la prochaine pause.